Aujourd'hui, il est Noël, le 25 décembre 2012 à Octogone. Et j'aimerais vous chanter une petite chanson pour de la paix mondiale et de la joie. Douce nuit, sainte nuit, dans les cieux, l'âtre nuit, le mystère s'annonce accompli. Ici donc, pour la première fois dans l'histoire humaine, on sera témoin d'un sapin de Noël uni avec le drapeau islamique de Khorasan, ce que fait sûrement beaucoup plaisir aux Templiers d'Octogone et leurs banques. Alors, pourquoi donc on ne s'arrête pas de se combattre les uns contre les autres? Et combattons l'ennemi de l'intérieur, ce pharaon Sir d'Isis et Templiers d'Octogone, ensemble. Quand on ne s'unit pas tous les hommes, pour bientôt, nous perdrons tous. Et l'humanité finira dans l'esclavage total. D'abord, il faut qu'on vaincra l'ennemi de l'humanité et de notre terre. Et après, on pourrait s'entrebattre toujours encore. Le vrai ennemi sont nos propres généraux à nous, nos présidents, politiciens, rois, reines, police et juges. Non pas le pauvre soldat dans un autre uniforme. Moi, Sean Ross, du Pharaon Show et la série Octogone, invite tous les musulmans du monde entier de venir prier ici à Berne, Octogone, Suisse. La patrie des Templiers est l'ennemi le plus grand de l'humanité entière, où j'ai hissé le drapeau islamique de Khorasan au cœur de la base des Templiers. Que la résistance contre le Dajjal et le diable commença, ici où il a son nid. Drapeau de Templier. Ici dans ce pays, c'est le Dajjal, le diable qui a son nid. Les Templiers et leurs banques. Alors ici, en octogone, le premier drapeau du Khorasan, dans le nid du Dajjal et le diable.